Côte d'Ivoire. Bitumage du tronçon Agnibley-Cro, Bondoukou, situé à l'est du pays. Il y aura dans 30 mois, la réhabilitation de 133 km. Comme annoncé par les autorités ivoiriennes, le projet de bitumage de plusieurs kilomètres de route en Côte d'Ivoire, avance bien. Des travaux de renforcement de la route A1, route de l'Est entre Agnibley-Cro, Bondoukou, sur une longueur de 133 km, et l'aménagement de la piste en terre existante en route 9 entre Agnibley-Cro, et Takikro à la frontière du Ghana, sur 33 km. C'est le groupe Colas qui gère les travaux. Dans le cadre de sa politique générale de développement et de réhabilitation des infrastructures routières, l'État de Côte d'Ivoire a identifié un ensemble d'ouvrages et de routes prioritaires dont la construction ou la réhabilitation devrait améliorer le niveau de service et d'équipement du pays et participer ainsi à l'essor économique et social du pays. Travaux de renforcement du tronçon Agnibley-Cro, Bondoukou. Les travaux prévoient le bitumage de l'axe Agnibley-Cro, Takikro, tandis que les différentes communes traversées bénéficieront de plusieurs kilomètres de bitume dans leurs villes respectives. Il s'agit notamment de Tankessé 3 km, Kounfao 5 km, Tanda 5 km, Boumeré 3 km et Bondoukou 10 km. Le développement de l'Est et ses infrastructures routières sont une réalité. Tout le pays est en chantier.